Salut à tout le monde. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Laisse que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, c'est la servante de Dieu, Sylvie Chirandi Mondika. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père, lui seul qui mérite la louange, l'adoration et l'honneur. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le maître a besoin de toi. Le maître a besoin de toi. J'ai béni mon Dieu parce qu'il va faire du bien à quelqu'un à ce moment. Notre Dieu va faire quelqu'un du bien à ce moment. Nous voici bien pour écouter ta parole. Laisse que cette parole puisse retentir dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de... Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 19, versets 28 à 38. Luc, chapitre 19, versets 28 à 38. Je lis pour nous tous. Après avoir ainsi parlé, Jésus-Christ est marchant devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha à Bethphagé et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme n'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent des choses comme Jésus les avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit: le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens attendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà ils s'approchaient de Jérusalem, vers la descente de la montagne d'Olivier, toute la multitude des disciples saisie de joie s'est mise à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait faits. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les cieux et gloire dans les lieux très hauts. Paix dans les cieux et gloire dans les lieux très hauts. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimé, notre sujet d'aujourd'hui, le maître a besoin de toi. Le maître a besoin de toi. Jésus-Christ était monté sur un anneau pour une mission. Il était monté sur un anneau pour une mission. Bien-aimé, Luc était un médecin et aussi un historien. L'apôtre Luc était médecin et aussi un historien. Il faisait des recherches pour savoir beaucoup de choses sur Jésus-Christ. Il veut savoir la vie de Jésus-Christ, Luc. Même les actes des apôtres, c'est lui qui avait pouvoir écrire le livre de l'acte des apôtres. Le maître a besoin de toi. Le maître a besoin de toi. Jésus-Christ entend donc triomphalement ces jours-là. Il entra triomphalement à Jérusalem ces jours-là. Alors qu'il avait l'habitude de marcher à pied, et c'était connu de tout le monde que Jésus-Christ marchait à pied. Et c'est la seule fois où Jésus-Christ était monté dans un anneau. C'est la seule fois où Jésus-Christ était monté dans un anneau. Le maître a besoin de toi. Bien-aimé, le maître a besoin de toi. Que notre Dieu soit loué, soit béni. Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, était monté dans un anneau sans tache, sans défaut.
c'était quelque chose de symbolique, l'entrée triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem, près de Bethphagé et de Béthanie, dans les villages de Marie et Marthe. Beaucoup de gens l'ont reconnu en le voyant. Ils ont reconnu en le voyant sur une âne. Et les gens se rappelaient de la prophétie qui avait parlé de lui. Ça fait vraiment tant d'années, la prophétie qui avait parlé de Jésus-Christ. Et il avait encore 5 km à parcourir. Jésus-Christ avait 5 km à parcourir. Mais il n'était pas fatigué, il était toujours fort. Il fallait tout simplement que les prophéties puissent s'accomplir. Il fallait tout simplement que la prophétie puisse s'accomplir. Il devait montrer sur l'âne. Plusieurs l'attendaient, pensaient qu'il devait amener une armée. Plusieurs avaient mal interprété les Écritures. Ils pensaient que Jésus-Christ allait chasser les Romains qui dominaient à Jérusalem. Or, ce n'était pas la mission de Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il devait venir de manière humble. De manière humble. Pas avec des chevaux de guerre. Pas avec des chevaux de guerre. Non. Son royaume était de nature spirituelle. Là, nous trouvons ça dans le livre de Zacharie, chapitre 9, versets 9 à 10. Nous allons focaliser ce message sur cet anneau. L'anneau qui est tenu au service du Seigneur. L'agneau sans défaut et sans tache. L'anneau qui a été libéré et qui a porté Jésus-Christ. L'anneau a porté Jésus-Christ pour une mission. Pour une mission. Pour une mission que Jésus-Christ a donnée. Et Jésus-Christ a donné une mission pour nous. Aller faire les nations des disciples. Afin que la mission puisse être accomplie. Cet anneau symbolise les chrétiens d'aujourd'hui. Cet anneau symbolise les chrétiens d'aujourd'hui. Jésus-Christ avait une mission. Jésus-Christ avait une mission. Quelque part, cet anneau symbolise les chrétiens d'aujourd'hui. C'est ça, l'anneau. Chacun d'entre nous, nous sommes les choix de Dieu. Comme nous sommes là, nous sommes les choix de Dieu. Les salis qu'il a réservés. Là, nous trouvons ça dans le verset 30. Toujours sur le livre de Luc, chapitre 19, verset 30. Allez dans ce village, vous trouverez un anneau sur lequel personne n'est jamais monté. Personne n'est jamais monté. Ça, c'est le choix du maître. Avec précision. Personne n'est jamais monté. Sache-le que le Seigneur nous connaît bien. Avant même que nous soyons dans le ventre de nos mamans, le Seigneur nous connaissait déjà. Nous sommes nés dans une nature pécheresse. Malgré ça, il y a un plan que Dieu a fait. Un plan que Dieu a fait pour nous. Déjà prévu pour chacun d'entre nous. Un Dieu omniscient. Pas de hasard. Là, nous trouvons ça dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Ésaïe chapitre 43, verset 1. C'est une occasion que celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il accepte. Le maître en a besoin. Le maître en a besoin d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le maître veut donner le salut. Le maître veut nous donner le salut. Le maître a besoin de nous. Car la Bible nous dit... Celui qui a Jésus-Christ a la vie. Celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas de vie. La vie, c'est plus que la respiration. La vie n'est pas le titre, même pas les avoirs, même aussi pas nos comptes bancaires, non. Ni les honneurs par-ci, par-là, non, ça, c'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. La vie, c'est Jésus-Christ. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il te connaît. Il t'épargne de beaucoup de choses, comme Moïse. Moïse était échappé à la mort. Nous voyons que Moïse était le choix de Dieu. Moïse était le choix de Dieu. Même s'il n'est pas entré au Cana, mais il est entré au ciel. Moïse n'est pas entré au Cana, mais il est au ciel.
la première choix qui nous a choisi pour le salut. Dieu nous a choisi pour le salut. Dieu nous a choisi pour le salut. Le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Le maître, c'est Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, notre Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Dieu est Dieu. Et c'est lui qui nous choisit. Il nous a choisi pour un but. Il nous a choisi pour un but. Il nous connaît. Il nous épargne de beaucoup de calamités, notre Seigneur Dieu. Nous sommes unis dans la main de Dieu. Donnons notre vie à Jésus-Christ. Plus, mes frères et sœurs, donnons notre vie à Jésus-Christ. Marchons avec Jésus-Christ. Abandonnons-nous à lui. Car c'est lui qui a la vie. Il y a des choses dont tu réaliseras que personne d'autre ne peut réaliser si ce n'est que toi. Si ce n'est que toi, tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas venu accompagner les autres dans ce monde. Non, non. Nous sommes créés pour un but que nous devons atteindre. Nous devons atteindre. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Nous sommes sauvés pour être libres. Ça, nous trouvons ça dans le verset 30b. Nous sommes sauvés pour être libres. C'est pour la liberté que nous sommes sauvés. Il fallait que l'agneau soit détaché. Il fallait que l'agneau soit détaché. Parce que l'agneau était lié. Il fallait qu'il soit détaché. L'agneau était lié. Avec une limitation. L'agneau était limité. Il était limité de mouvement. Il avait besoin d'être libéré. L'agneau. Frères et sœurs, nous sommes comme cet agneau. Nous avons besoin d'être libérés. Nous avons besoin d'être libérés. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être libérés. Nous avons besoin d'être libérés. Et seul Jésus-Christ peut nous libérer. C'est seul Jésus-Christ qui peut nous libérer. Nous rendre libres. Sauvés pour être libres. Nous sommes sauvés pour être libres. Pas pour être esclaves, mais pour être libres en Jésus-Christ. Nous voyons quelquefois, on est sauvé, lié au péché, lié au mensonge. Non, on est lié aux traditions. On n'arrive pas loin avec le Seigneur parce qu'on est lié. On n'arrive pas loin avec le Seigneur. On ne sait même pas prier. On ne sait même pas méditer la parole de Dieu. Lié au plaisir de ce monde. Lié à l'occultisme, lié à la sorcellerie, lié à tout temps de choses, lié à tout temps de choses. Le monde appelle la liberté l'indépendance. Le monde appelle la liberté l'indépendance. L'enfant est libre de faire ce qu'il veut. Non, c'est pas ça. L'enfant est libre de faire ce qu'il veut. Ça, ce n'est pas la liberté. Non, 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 non. L'enfant est lié à certaines choses ou certains plaisirs de ce monde, amusement ou certaines autres distractions liées au sexe. Ça, c'est la liberté. Ça, ce n'est pas la liberté de Jésus-Christ. C'est la liberté selon le monde. C'est la liberté selon le monde. La liberté selon le monde n'est pas pour les chrétiens. Non, ce n'est pas pour nous les chrétiens. Nous sommes libres en Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. C'est d'être lié de toute tradition. Non. La vraie liberté, on est libre en Jésus-Christ. On est libre. C'est d'être libre de toute distraction, de toute tradition. Libérer des mauvaises habitudes. Nous devons être libérés des mauvaises habitudes. Libérer de tout temps de choses. Il faut que nous soyons libres. Libres. Un coureur de jupons est lié. Il n'est pas libre, il est lié. Ça, nous trouvons ça dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10. La liberté n'est pas de faire comme on veut. Non, non, non. Partir là où on veut, non. Non, 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 c'est pas ça la liberté. C'est pas ça la liberté.
C'est pas ta faire ce qu'on veut, partir là où on veut. Non, c'est pas ça la liberté. C'est pas ça. C'est nous comploter avec Jésus-Christ. C'est nous comporter avec Jésus-Christ la liberté. Et pour y arriver, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Pour arriver à avoir cette liberté, il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. L'anneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'anneau qui Jésus-Christ a monté. L'anneau libéré pour être libre. L'anneau était libéré. L'anneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'anneau était libéré. Il était libéré des chaînes. Il était dispo pour Jésus-Christ. Il était disponible pour Jésus-Christ. Il était disposé. Il était à la disposition du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous sommes libres quand Jésus-Christ nous a franchis. C'est pour la liberté. C'est pour la où nous trouvons ça dans le Luc chapitre 4, verset 12. C'est Jésus-Christ qui est entré. C'est Jésus-Christ qui est entré triomphalement en Jérusalem. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui est en train de lire dans les rouleaux. Les rouleaux qu'il est entré dans le temple. Notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur de gloire qui était en train de lire dans les rouleaux qu'il est entré dans le temple. Dans le temple. Gloire à toi, Seigneur. C'est pour la liberté que nous sommes affranchis. Quand Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais dans l'esclavage. Non. Fini l'esclavage avec Jésus-Christ. Fini l'esclavage. Si tu peux réellement être libre, ce n'est pas ni par ta force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur. Quand il nous dit, vous recevez une puissance pour être mes témoins. C'est être le témoin de la liberté. C'est être libre. C'est être libre. Ne se laisse pas manipuler. Frères et sœurs, ne se laisse pas manipuler. Il faut être libre. Ça, nous trouvons ça dans les Jean, dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Ne te laisse pas manipuler. Il faut être libre. La vérité qui est la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même, est la vérité. Pour vivre cette liberté, c'est la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Et tu seras affranchi, tu seras libre. La parole de Dieu qui chasse les ténèbres. Qui chasse les ténèbres qui est dans nos pensées. Avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui chasse les ténèbres dans nos pensées. La liberté avec Jésus-Christ. La liberté que Jésus-Christ donne n'est pas une liberté provisoire. Non. Ce n'est pas une liberté provisoire. C'est une liberté totale et réelle. C'est une liberté totale et réelle, mes frères et sœurs. Frères et sœurs, nous n'avons pas terminé, nous n'avons pas terminé ce thème. La continuation, c'est la fois prochaine. La fois prochaine, nous allons terminer, nous allons continuer encore pour terminer. Parce que notre Seigneur, nous voulons être libres en Jésus-Christ. Nous voulons que notre Dieu nous rende libres. Jésus. Nous célébrons toute ta victoire, Jésus. Ton amour nous remplit, Jésus. Quelle joie tu nous libères, Jésus. Ta mort nous rend la vie, Jésus. Nous célébrons toute ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie qui nous libère. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Quand Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Quand Christ nous a franchis, c'est pour la
la liberté. Nous ne serons plus jamais sous les joues de l'esclavage. Nous ne serons plus jamais sous les joues de l'esclavage. Fêtons avec joie les dieux des victoires. Mon cœur répond à son amour. Mon cœur répond à son amour. Oh, 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 Jésus, nous célébrons toute ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Quelle joie tu nous libères. Quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Quand Christ nous a franchi, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais tous les jours de l'esclavage. Nous ne serons plus jamais sous les joues de l'esclavage. Fêtons avec joie, ouh, 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 les dieux des victoires. Mon cœur répond à son amour. Mon cœur répond à son amour. Mon cœur répond à son amour. Oh, Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort nous rend la vie. Jésus, ta mort les rend la vie. Jésus, ta mort les rend la vie. Gloire, gloire, gloire au roi des rois. Gloire, gloire, gloire au roi des rois. Gloire au roi des rois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. C'est cette nation. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu les ennemis de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur, c'est nation. Gloire à Dieu dans le ciel, gloire à Dieu dans le ciel. Soyez bénis, je vous aime énormément, vous qui me suivez. Soyez bénis, merci pour vos encouragements. Merci beaucoup, merci, merci pour vos suggestions. Merci beaucoup, merci, merci. Toroba da prière, na biso na mandout, na ebi bozo le la mingi prière à l'imitation. Na yebi ango vraiment na mois d'août toko programmer ba fort prière et jeûne pour na ko buka ba limitation ko kata ba limitation se ko kwea et ko kwea na komo na Yesu toko ma libre parce que quand Christ nous a franchi c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais comme autrefois. Non, liberté toko la liberté mon nene. Toko la liberté mon c'est pour la liberté. Toza sou be esclavité. Tous les esclaves de ton côté, y a un voilà ton côté, ma prière, bobongama, bas ton groupe, bas ton Afrique, on a le Congo, bas ton on a Paris, la Belgique, ma béa, bas mon nom c'est bobongama bien, ton côté ma prière, par-ci par-là, les États-Unis, Awa, partout, pour na kubuka ma limite, sur tout ça, vous obéga mingi pour na problème à limite. Vraiment, que notre Dieu soit loué, que notre Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime tant. Abonnez-vous na YouTube, Nazali na YouTube, lien c'est Sylvie Chirandi. Abonnez-vous, Nazali na Instagram, Sylvie Chirandi toujours. Beaucoup dans le groupe, la servante de Dieu, maman Sylvie Chirandi et ses amis. Beaucoup dans tout ça, la moussa, l'anzabe, toke, de l'bousso, yeswa, zoya.
to gagner ba am to kende li boso ta e komi ma mo kouse ta za mo kouse profiter na ta auto gagner to sa nous sala ensemble to kende li boso. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tant. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh.